C'est-à-dire les satellites Zahao, ils perdent des connaissances, que tu dis mal à l'année. Immédiatement, c'est le Kandani, il tenait une cellule de crise. Dami, un chef d'état-major, un colonel Hamza, qui est responsable de l'armée garde-côte. Si par Ayad, directement, si Moujissa, où est-ce qu'on en est par rapport à l'avion. Anambia ukana azele maulonizo, lizorlonizo, kartujua habari ya hayo. Sirejei tipare representa wa hei asekina, mba banova sayo nunga nrejei ya haya, nira tene selu de kriz, paske kartujua enamna umalani ido lokalize ya hata wasayo. Ala furi baki hata 14 heures. On la représente à Sekna, en Ambiyafgana, et nous avons vu les lieux et carburants. Nous avons vu jusqu'à 14h45. Ben, d'abord, à 14h45, il y a avion qui a localisé, il y a un problème. Donc, nous avons déclaré à Bukana et avion et les passagers, ils sont en danger. Donc, on est à 15h30. Rambilo a au Cana avion de l'armée plage. Il y a d'Aubini en bas. Le DPGMA et les marins gendarmeries. On est à Kodjaona Barongo. Rambilo a Domouni. Il y a DPG Tseno. Kodjaona Rongo. Wakatou la réalisation des recherches par satellite. Rihundu Mbabahan ou Cana Kamemu. Ça peut être dans cette zone. Armazé de ma satellite, satellite, j'avais toujours un gassi Bradzima, d'Assina à Sekna, éventuellement à Ayad, son type, il dirige, il harmonise ses renseignements. À la fois, Ribak, voilà, enfin, voilà, ouais, donc le Dwakanazi, là, c'est des faux renseignements. Après, tout là, c'est un contact personnel, Namina, ambassadeur de France. Si mon biokana, Ridjuhanza, et Marine, et à Faranza, tout ce que vous avez comme équipement, on a raqué, parce que quand il y a des avions, on a fait une recherche, surtout avec un mauvais temps, avec les matériels nécessaires. Donc, il y a un gars qui disait, il y a un gars qui dit, 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 et c'est à ce que là, si nous avons il y a autorisation pour que l'avion y ait. Donc,